Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas en tout cas à rejoindre mon serveur Discord qui est en description de la vidéo. Voilà, là on est actuellement en 2300 membres GoRush, les 3000 membres. Donc vous retrouverez là-bas des salons, donc entraide pour les glitches, pour les Caio Perico, pour les Bogdan, pour les dons de véhicules, pour les tenues. Voilà, le serveur est très complet. N'hésitez pas en tout cas à le rejoindre, le lien est en description. Voilà, donc en plus c'est gratuit, ça prend seulement 2 secondes à rejoindre. Salut à tous, c'est Néo. Donc là, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. On se retrouve du coup pour une nouvelle méthode, donc pour être en session publique, en solo. En tout cas, avant ça, un grand merci à vous tous pour les 33 500 abonnés, c'est juste énorme. GoRush, les 33 600 abonnés. Donc du coup ça va fonctionner sur PC, Xbox et du coup le PlayStation, ok, du coup voilà. C'est du coup une méthode hyper simple et hyper rapide, vous aurez besoin d'avoir rien du tout, ok. Vous devrez juste être en session publique, voilà. Allez hop, là pour commencer, vous allez en session publique. Là du coup vous avez vu, ma session est pleine de joueurs. Donc là je fais bouton start en ligne et je vais faire trouver une nouvelle session. Là, je vais avoir un chargement et du coup, je vais respawn dans une autre session publique. Ok. Là, du coup, ma session est encore pleine. Du coup, je refais bouton start en ligne. Et du coup, je vais trouver une nouvelle session. Et vous allez faire ça à chaque fois que du coup, vous tombez sur une session pleine. Ok. Et vous allez voir qu'au bout d'un moment, vous allez du coup tomber sur une session publique en solo. Voilà. C'est du coup une méthode qui est un peu bête, mais ça fonctionne du coup. C'est le principal. Ça marche parfaitement. C'est un peu aléatoire, mais vous allez voir que vous allez réussir au bout d'un moment. Moi perso, je l'ai réussi au bout de 5 sessions changées et je me suis retrouvé en session solo. Voilà. Donc, c'est une méthode qui est un peu aléatoire. Donc, vous pouvez réussir au bout de 5 sessions changées, comme 20 sessions changées. Donc, vraiment, c'est vraiment aléatoire. Donc, si vous voulez le faire beaucoup plus rapidement et du premier coup, vous pouvez du coup utiliser la méthode avec le MTU. Donc en gros, on va dans les paramètres réseau, on va dans MTU et vous allez mettre entre 700 et 800 dans les MTU. Et vous allez voir que vous allez vous retrouver directement en session publique, en solo, du premier coup. Donc c'est hyper simple. Mais si vous ne voulez pas utiliser le MTU, vous allez faire du coup cette méthode-là qui fonctionne du coup sur Xbox, PC et PlayStation. Mais c'est un peu aléatoire, mais vous allez voir que vous allez réussir au bout d'un moment. Et vous allez vous retrouver du coup en session publique, en solo, comme moi dans le gameplay. Et vous allez pouvoir du coup faire vos missions de PDG, de bunker, etc. Voilà, tranquillement sans que personne vous dérange. Donc n'hésitez pas en tout cas à liker et à vous abonner, GoRush, les 33 600 abonnés. Je vous laisse donc sur ce gameplay, donc sur ces images. C'était Néo, allez, ciao!